l'actualité, c'est aussi une belle vente aux enchères. Elle est blanche, elle a les allures d'un bolide. Vous l'avez vu dans le film Rien à déclarer. C'est bien sûr la 4L des douaniers. Elle a été vendue hier au profit de la Fondation de France. Et pour faire monter les enchères, c'est Danny Boone en personne qui a tenu le marteau. Le rechanceux n'est autre que Franck Duquesne, propriétaire de boîte de nuit sur la métropole lilloise. Cette 4L sportive de 140 chevaux a été adjugée pour la modique somme de 25 000 euros. Son nouveau propriétaire la prêtera aux municipalités et aux associations pour des expositions. Sachez qu'il reste un deuxième exemplaire de cette voiture, mais il est bien possible que Danny Boone veuille le garder comme souvenir.